directeur de l'ex, l'ex au français de 2000, effectivement. Voilà, il faut qu'apparaître la personne, nous l'espérons du moins dès le début d'automne. Alors, doit-on nécessairement avoir quelque chose à dire sur mai 68? Il semble que oui, en cette année de commémoration du cinquantenaire. Trop jeune à l'époque pour en dire toutes les implications, bien que faisant partie d'une famille très politisée, j'étais toutefois suffisamment âgé pour regarder des images, comme ces tags, qu'on n'appelait pas encore ainsi, ces inscriptions sur un mur de Wapérène, où j'habitais, où l'inscription OS vaincra, pas encore effacée, côtoyait déjà cet interdit d'interdire. Une sorte d'articulation entre deux époques, hein, en 1968. Je n'aurais vraiment pas l'ambition, en quelques mots, d'introduction de la vérité de son titre, tant est qu'il y en ait une, mais d'en livrer quelques aspects, peut-être contradictoires, au plan essentiellement politique. Mai 68, à mes yeux, n'est pas un événement fondateur, c'est plutôt un révélateur, voire un accélérateur des évolutions en profondeur que connaissait la société française et même occidentale depuis le milieu des années 50. Une éruption exprimant la vie souterraine de notre société, un phénomène sismique, d'intensité moyenne, une révolution non cire, une révolte. Que ce soit en matière de mœurs ou en matière éducative par exemple, le mouvement a tout au plus accéléré le pédagogisme ou une évolution sociétale en cours au sein de la bourgeoisie. Rappelons que c'est la droite qui légalise la pilule en 1967, que la réforme de l'université est déjà dans les cartons en 1968, dans les cartons des Carrefours, que c'est la droite encore qui, dans un mouvement continu, légalisera l'avortement ou facilitera le divorce des 70, ou encore abolira l'opposition, la distinction entre fond naturel et fond légitime. Le déclin de la pratique religieuse en France, comme dans d'autres pays occidentaux, pensons par exemple au Québec, la fameuse année 1964, a déjà commencé. D'ailleurs, aucun député de droite déclare en mai 68, en plein hémicycle, qu'il baisse les yeux devant son fils. Il faut que l'évolution des esprits de ceux qui sont censés assurer la transmission d'héritage ait été bien antérieure aux événements eux-mêmes. Au fond, les parents doutaient de l'héritage qu'ils transmettaient à leurs enfants, faute peut-être d'avoir su leur établir des bases solides après 1945, fut aussi la victoire de l'hégémonie culturelle de la gauche. Je m'appuierai sur deux œuvres cinématographiques, plus ou moins connues, qui encadrent l'événement. La première est un documentaire de l'ethnologue Jean Rouch et du sociologue Gare Morin de 1960, qui a reçu d'ailleurs en 1961 le prix de la critique internationale à Cannes, qui s'intitule « Chronique d'hérité, êtes-vous heureux ?». Ce documentaire exprime déjà bien la rupture d'une certaine jeunesse, essentiellement estudiantine. Hein, Jean Rouch et Pierre Lorrain se pensent, et pas seulement, mais essentiellement sur la jeunesse étudiantine qui, à l'époque, représente une toute petite minorité, environ 15% de la, 15 à 20% de la jeunesse, avec les valeurs affichées par leurs parents, plus encore peut-être qu'avec un confort que ces mêmes parents et grands-parents, d'ailleurs, au sortir de la guerre, leur avaient assuré grâce à leurs efforts, mais justement, sans plus en partager les fondements culturels ou spirituels. La bourgeoisie croyait-elle encore en elle-même, elle dont les intellectuels, au moins un grand nombre d'intellectuels, avaient rejoint souvent par conformisme le marxisme. À l'autre extrême, en 1970, je pense au film Pays de Cocagne, le dernier film ou presque de Pierre Etex, dans sa vision corrosive de la société de consommation post-68 art, fut assassiné par la critique. La presse établie, à droite comme à gauche, ne pardonna pas à Pierre Etex la vérité qu'il dénonçait de l'abêtissement généralisé du pays réel par un consumérisme qui ne sait pas encore son nom et dont la dénonciation apparaissait bien plus subversive aux élites, y compris de gauche donc, que les revendications rabadiennes des étudiants de mai 68. Revendications que Boutan a fort bien analysées dans l'Apocalypse du désir. Revendications poétiques, bientôt transformées car prises au sérieux par les élites en revendications prosaïques. Et je voudrais la citer Boutan. Revendications des noms de Boutan dans Précis de Fontiquet, qui il y a un demi-siècle était le cri anarchiste de désespoir et qui sont devenus le programme des biens ensemble. Et il poursuit, communiquer ses vices et son ordure à tous les degrés d'en dessous, à tout un peuple. Rappelons en effet, par exemple, que dans les années 50, Maurice Thorez se bat au Parlement contre une proposition de loi visant à faciliter l'avortement en accusant la bourgeoisie de chercher ainsi à empêcher les prolétaires d'avoir des enfants. Se trompait-il vraiment? Et la victoire de mai 68 est-elle vraiment celle des bien-pensants qu'on pourrait se le demander? En tout cas, le caractère radicalement subversif, je reviens à Pierre Etex, du film de Pierre Etex, l'a fait disparaître des écrans durant plusieurs décennies. Il montrait en effet, à travers l'été 1969, filmé par le prisme de la caravane d'Europe 1 qui à l'époque se baladait sur les plages,
la réalité de la société individualiste de consommation, non pas tant de la bourgeoisie, qui avait fait mai 68, mais de la classe ouvrière et des petits employés, qui avait fait un autre mai 68. Ce qui est du reste intéressant dans le film de Pierre Etex, c'est qu'il n'y a pas de trace du tout de mai 68. Il n'y a trace que de l'élection de Georges Pompidou en 1969. C'est que les ouvriers et les employés, contrairement aux étudiants et contestataires, avaient obtenu tout ce qu'ils voulaient alors, ou du moins tout ce qu'ils pouvaient alors espérer avec les accords de Grenelle. Le maître des ouvriers et employés avait été parallèle, c'est-à-dire incommunicable, à celui des étudiants. Les ouvriers défendaient le vieux monde aux yeux des étudiants, aux mains blanches, dont l'innocente mort ne pouvait guère rencontrer le dur réalisme des travailleurs aux mains calleuses. Ce que montre Pierre Etex, c'est la découverte de l'hédonisme par le pauvre, c'est l'hédonisme du pauvre, l'hédonisme de ceux qui ne sont rien, comme dirait aujourd'hui notre président philosophe. Si la rencontre s'effectue déjà dans un hédonisme généralisé, c'est une fausse rencontre, car les différences de classe continuent de s'exercer. Que mai 68 ne soit pas un événement fondateur, le montre aussi la dépolitisation très rapide de la jeunesse après les événements. En une dizaine d'années, c'est fait. Ayant fait mes études dans le lycée rouge, d'un des lycées les plus rouges de Paris, je sais de quoi je parle. Au début des années 70, tous les halls des grands lycées étaient monopolisés par des factions politiques. L'extrême gauche, les pro-palestiniens, les pro-sionistes. Et les droïstes que nous étions, nous devions nous faire, sur un coup de poing, une place pour l'espace vital. Or, avant mai 1980, la dépolitisation est presque totale. Pierre Pujou, en 1978, m'a demandé d'écrire pour l'Action française étudiante un article sur les 10 ans de mai 68. Je m'appuyais alors notamment sur un sondage paru dans Le Monde de l'éducation d'octobre 1977 qui me permettait d'observer que 90% des étudiants, pas des jeunes, des étudiants, ceux qui sont normalement les plus conscientisés, 90% des étudiants n'adhéraient à aucun parti politique ou syndicat, plus des trois quarts d'entre eux jugeant que ces partis ou syndicats n'exprimaient ni leurs analyses ni leurs espoirs. Et ce, malgré la loi de 1974 qui avait instauré le droit de vote à 18 ans. Voulu par Giscard d'Estaing en fonction des études de l'évolution de la maturité politique des jeunes. Alors, quel est le rapport de mai 68 avec le bien commun? Est-ce celui de l'eau avec le feu? Peut-être précisément l'une des vérités apparemment paradoxales de mai 68 était dans la dépolitisation de la vie sociale. Le paradigme a changé, ce n'est plus la cité, mais sur un fond de revendication toujours plus illimité pour l'individuel, et là je renvoie par exemple à l'analyse de Pierre Manant, un vivre ensemble dont Aristote déjà disait dans la politique que c'était le plus bas degré de la vie sociale. Les années Mitterrand ont donné naissance à l'antiracisme, qui n'a rien d'un mouvement politique, c'est un mouvement moral. De même en 2002, lorsque vous savez, il y a eu le fameux choc de Le Pen au second tour, la jeunesse plus ou moins conditionnée arpentant les rues et disant qu'on ne répondrait plus jamais, que ce ne sera jamais plus comme avant, ça donnait sur un fleuve. Hein, ce sursaut publiquement purement moral, et d'ailleurs les gens disaient qu'ils avaient honte d'être français, hein, c'est un terme de honte très du moralisme poisseux de la gauche, mais que ça a donné naissance à aucune prise de conscience politique non plus. Peut-être donc un des aspects de l'héritage lointain de mai 68 est-il ce remplacement de la politique par la morale, du moins une conception morale des rapports civiques, qui évidemment est une mise entre parenthèses des dimensions d'animal politique. Pour Maurice Clavel, mai 68 avait été le grand soulèvement de la vie, je cite là. Il écrivait 10 ans plus tard, en 1977, que ces journées révolutionnaires avaient été le symbole de la liquidation de 2 siècles d'idéologie de l'État et de pouvoir de l'homme sur l'homme. Il travaillait alors, en 1977, cette nouvelle philosophie, à déboulonner les statues de Marx, de Hegel, de Marx, et puis ensuite s'appelait après avec Balmary à celle de Freud. Le tragique, c'est peut-être que le bébé ait été jeté à l'eau du bain, et que la liquidation bienvenue de 2 siècles d'idéologie de l'État n'est, comme le reprenait Boutan cette même année 1977, de reprendre le pouvoir, aboutit au déboulonnage de l'État lui-même, ou plus exactement à la délégitimation du souci politique comme condition du bien commun. Car l'État n'est pas le mal en soi. Sa fonction tient même dans la protection des plus faibles contre le pouvoir de l'homme sur l'homme. C'est la faille de la nouvelle philosophie que ce disciple de Maurras, les écoutant, a tout de suite perçu. À l'idéologie de l'État a succédé une idéologie du non-État dont le macronisme est une nouvelle expression. Et on sait que les libéraux aiment surtout dans l'État sa dimension répressive, à quoi il réduit sa dimension l'orgalienne. Bien sûr, ça n'a pas fait reculer, ni encore moins liquider le pouvoir de l'homme sur l'homme. Cela l'a au contraire renforcé. Maurice Clavel, je crois, avait péché là par optimisme. Alors, retrouver le sens du politique, peut-être serait-ce vraiment là, sinon liquider l'héritage de mai 68,
du moins une de ses plus graves conséquences historiques. Je vous remercie.